Eh bien, on va découvrir Hob. Hob. Comment ça se prononce? Hob. Hob. C'est un jeu d'aventure, action, je ne sais pas trop. Chatoyant. Regardez-moi cette belle couleur. Espèce de robot avec de la salade qui vient nous ouvrir. Il semblerait qu'on était enfermé dans quelque chose. Une prison, un sarcophage, que sais-je? Et un petit alien nous salue. Ok. Donc c'est développé par Runic Games. Connu pour les Torchlight, pour ceux qui connaissent, 1 et 2. Et ce jeu date hein, de, je crois, 2017. Donc c'est pas tout neuf. Et, ou 2016, je crois, je sais plus. En tout cas, le studio a fermé juste après. Donc je pense que le succès n'était pas au rendez-vous pour ce jeu. Est-ce que c'est parce que le jeu est mauvais? Je ne pense pas. Les critiques sont plutôt positives sur Steam. Mais les ventes ont dû être décevantes, je pense. Donc, l'univers chatoyant, ça a l'air sympa à découvrir. Un petit style cel shading. Donc, nous on joue ce petit personnage. Donc, je peux remettre la caméra maintenant. Alors, ça y est, on a réparé la soucoupe volante. Attention les yeux. Hop là, avec un petit effet spécial et de la musique. Enfin, un effet sonore. Donc. On joue ce petit chaperon rouge aux yeux lumineux et on va explorer ce monde. Donc, le petit copain là, on peut. Non, on peut rien faire avec. On peut sauter, on peut faire des roulades. C'est réactif, ça, c'est dynamique comme jeu, j'aime bien. Ok, il y a des petits copains un peu partout. Pour l'instant, on nous dit pas grand-chose. Et ben, on va avancer gentiment. Est-ce que ce sont des interrupteurs, ça? Non. Ah, c'est lui qui nous a ouvert. Tu veux que je me mette là-dedans, copain, c'est ça? Non. Ah oui, lui c'est Brutus quoi. Yo Virgule, comment ça va depuis le temps? T'es venu voir quelqu'un d'extrêmement compétent dans le jeu vidéo? T'en avais marre des mentos. Bon, on va enchaîner. Quoi, j'ai pris des dégâts? Ah bah ça. Ah ok, il me reste plus qu'un point de vie. On va faire gaffe. Ça va nous changer du Dark Soulisme. Exactement. Là on va enchaîner quelques jeux différents. Pas de Souls-like à part Grime qu'on va faire, mais pas tout de suite. Donc moi je vais alterner entre ça. Je vais attaquer Doom aussi. Je vais attaquer Doom 2016. Et puis, bon, pour l'instant, je me laisse un peu guider, j'explore pas trop. Je vais essayer de pas me perdre. Mais on va faire ça, on va faire un peu de Doom et on fera sûrement un jeu narratif en même temps. Voilà, on va diversifier un peu marre de la bagarre. Enfin, même si Doom c'est de la bagarre, mais un peu différente, quoi. Un peu défouloir plus que du tryhard. Alors, les contrôles sont un peu étranges quand même. Hein. Ça manque peut-être un poil de précision. On verra si c'est grave ou pas. Donc on joue à la manette. Hein. Voilà, la plupart des jeux.
des jeux comme ça, on joue ça à la manette, sauf quand il faut viser. Par exemple, Doom, c'est sûr qu'on fera clavier-souris. Bah, pourquoi tu casses pas ça, mec? Doom, on fera à la souris. Et puis, voilà. Je pense que lui, il nous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Et... Et du coup, copain, t'es parti où? Bon, c'est pas grave. Ouais, peut-être qu'il nous montre ce qu'on peut faire et quand on aura les pouvoirs pour le faire, on le fera. Nous-mêmes. Ça, on peut pas le pousser. Je peux sauter. Oh, on peut sauter assez loin quand même. Pas passer là-dedans. C'est quoi ça? C'est pas. Alors pour l'instant, je sais absolument pas de quoi il retourne dans ce jeu. Oh! Fallait faire ça? Bon bah ok, je suis là, mec. C'est quoi ce truc là? Merde. Bon bah, il a pas envie de nous parler, le copain. Il y a un gros là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Une girafe? On est dans Last of Us. Bon, ils ont l'air plutôt pacifiques hein, pour l'instant, les ennemis. Enfin, les ennemis, les mobs. La faune locale semble plutôt amicale. Et c'est plutôt rare pour le souligner. Sur PC. Ah! Il suffisait que je dise ça pour qu'il y ait un putain de méchant. Ah, il m'a... Oh! Allez! Allez, à bras au moins! Tiens, ça s'est fait! Ah ouais! Et là, c'est le générique de fin, on a perdu. Il m'a coupé le bras. Donc après Sekiro, après Lies of P, bienvenue dans Hob, les héros monobras. Oh, c'est la mode, hein. Alors, je pense qu'il est parti... Il est sorti avant Sekiro, ce jeu. Alors, c'est... Mon jeu a crashé, il me dit que j'ai besoin de frame net, je sais pas quoi là. Il me demande de télécharger ça, donc je le fais. Alors je sais pas comment il a pu lancer le jeu. Voilà, on est vraiment dans un stream de qualité là. Incroyable. En fait, il faut toujours tester le jeu avant de le streamer, je pense. Genre jouer 10 minutes, voir si ça marche. Ouais, mais après, il n'y a plus la surprise, c'est ça qui est chiant. Bon, on va relancer, on va faire comme si c'était rien passé du tout. On va meubler. Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle soucoupe? Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. J'ai juste remis l'animation au bas. Sauf que maintenant, pour les cinématiques, je peux la faire disparaître. Attention. Incroyable. On se croirait pas à la télé, là. Et je peux la faire réapparaître. Voilà. Donc là, déjà, on est pas mal. Et je m'occuperai d'un petit effet de clignotage de lumière voilà, sur la base et sur le halo en dessous de lumière. Redémarre-le plutôt et télécharge rien. Si, ça a été installé correctement, il me dit. T'inquiète. Non, mais je voudrais pas qu'il me... Voilà, qu'il me refasse chier avec ça. Donc, est-ce que ça a sauvegardé après mon infection? Oui, impeccable. Voilà, tout va bien. Oh, j'ai récupéré un bras. What? Attends, ça tombe. Non, ça tombe, ça a sauvegardé. Alors, c'est assez étrange quand même. Comme déroulement de jeu, puisqu'il nous ouvre toutes les portes et d'un coup il nous dit plus rien et c'est à nous de trouver. Bon, après tant mieux. Hein. Donc on a mis le jeu en mode difficile. Il y a un mode très difficile.
Voilà, on verra. Alors, est-ce qu'on peut changer en cours de route? Option. Jeu. On peut changer en cours de jeu. Parce que là, le jeu nous dit absolument pas. Qu'est-ce que ça implique? Bon bah du coup on recommence. On va se refaire péter la main. À vrai dire c'est mieux sans la soucoupe. Est-ce que c'est pas mieux avec la soucoupe mais sans moi dedans? Ou c'est la soucoupe qui est trop grosse peut-être? Est-ce que tu penses qu'il faudrait que je fasse un truc plus discret? Beaucoup plus fin. Je prends tous les conseils. Je prends toutes les remarques. Mode virgule toujours en facile. Non. C'est hors de question de faire le jeu en facile. Même si ce genre de jeu-là, voilà, des fois c'est basé plus sur l'exploration, les énigmes et tout ça. Après, je sais pas du tout de quoi il en retourne. Hein. Si ça va être plus des combats, plus des énigmes, plus j'en sais rien. Je sais pas du tout. On va se laisser... On va se laisser guider par l'aventure. Je crois que c'est un jeu assez court. Hein. Une dizaine, 10-15 heures, je crois. Donc, on va essayer de le faire en 3 sessions, ce serait bien. 3-4 sessions maximum. J'aurais bien faire un petit jeu d'horreur aussi. C'est joli ce plan. Un petit jeu d'horreur et puis voilà. On verra. J'ai pas mal de temps libre là. Je suis en presque vacances. On va pouvoir jouer. Eh ben, on a un sacré bras. Il a pas trouvé la taille en dessous, il nous a mis un truc de... Waouh. Ok. C'est vrai, t'aimes pas ma soucoupe? Tu préfères comme ça? Hop. Tu préfères comme ça? En streamer casu, quoi. C'est plus triste quand même. Bon bah écoute, je prends note. Comme t'es... Comme tu représentes 100% du peuple là. Je... Tu sais quoi, je pense que... Comme ça, beaucoup mieux. Merci. Je pense que... Je peux me mettre comme ça de base. Et avec les points de chaîne, que t'aies la possibilité de me foutre dans la soucoupe. Genre tu payes 1000 points de chaîne, et ben je suis pendant une minute dans ma soucoupe. Tu vois, ça peut être sympa ça. Ça peut impliquer un petit peu les viewers. Ah, ça y est, on peut interagir. Ah, ben, je connais pas les touches moi Xbox. Hein. Ok. Donc je peux déplacer ces gros machins. Donc là déjà ça nous crée un raccourci. Et est-ce que... Du coup, je peux péter les murs avec ça? Non. Ah non. Ok. Bon. Eh ben, écoute. On va rester là-dessus. On va retourner là où on était. Mort. Ah, ok. On peut plus y aller. Bon, ça, c'est fait. Ah! Est-ce que je peux faire un truc avec ça du coup? Non? Ah non. Je pensais que j'aurais pu taper dessus. Après, c'est peut-être pour plus tard. Hein. C'est peut-être. Ah! C'est pour poser ça dessus peut-être. Attends. Est-ce qu'on peut l'emmener où on veut ce truc-là? Ah non. On va dépasser ça. Ok, ok. Fais un sondage, faudra demander à Mento.
Non, mais après, il n'y a pas besoin de sondage. Non, en vrai, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de que les gens puissent utiliser leur point de chaîne pour changer la caméra. Ça fait un petit truc cool, quoi. Ok, ok. Prends note. Merci, Virgule. T'es pas là souvent, mais... Tu es sage. Je travaillerai sur la scoop pour qu'elle soit un petit peu plus discrète. Un peu plus... Ouais, parce qu'en fait, elle attire un peu trop l'œil, je pense, sur un jeu. Et du coup, elle s'intègre pas forcément très bien avec certains jeux. Voilà, ça va, c'est un jeu coloré, mais sur certains jeux, je pense que... Ah, on récupère une épée, Excalibur. Ça y est. Une moitié d'épée, tiens. Shadow of the Colossus, je me tâte à le prendre, il vaut le coup. Mais mec, c'est vraiment parce que j'ai pas de console, hein, mais Shadow of the Colossus, The Last Guardian, mec, ce serait les premiers jeux que je ferais. Si j'avais une PS3, PS4, PS5, là. Je ne comprends pas ta langue. Ah, il m'a donné des petits bouts de d'épée, je pense. Peut-être qu'on va trouver un forgeron. Ça ressemble à une forge, ça. Est-ce que c'est moi, le forgeron? Alors, on a zéro schmilblick vert. Donc on va pouvoir... Upgrade les combos, d'accord. Bouclier. Ouais. Ah. D'accord, donc on aura 3 ou 4 trucs comme ça. Ah bah non, mais c'est bon, on les a tous. Ça va nous forger une épée. Super. Bon, bah on en revient toujours à la même chose, hein, la bagarre. Oh, elle est rétractable. Forgez votre première épée. Donc ça sera pour la deuxième épée. Ok. Alors... Donc attaque juste avec X. Carré pour les joueurs PlayStation. J'ai pas eu le temps de lire, modifier le niveau de difficulté. Si jamais, je sais pas. Ico, The Last Guardian, j'ai adoré ces jeux. Ah bah non, mais carrément, bah si t'as adoré. Après, c'est un peu différent, hein, Shadow of the Colossus, de ce que j'ai... Après, je l'ai pas vu, hein, je me suis pas spoilé. Je connais un peu grosso modo ce qu'il faut faire, tu vois, enfin le principe du jeu. Mais dans un univers à la Ico et Last Guardian, non, si, c'est vraiment le genre de jeu que je kiffe. Ouais. Après, je voudrais pas te mal influencer, mais il doit pas coûter bien cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut couper? Ah, on peut, comme dans Zelda, on peut couper les arbres, les herbes. D'accord, ça nous ouvre des passages. Ok, on est vraiment dans du classique pour l'instant. C'est cool. Il nous parle pas. Ah, on a une attaque chargée? Non, j'ai cru. Ah non. Je pense que ça va se développer au fur et à mesure. Là, on peut sauter, on est d'accord. Ouais. Ah! Les bouboules! Alors, est-ce qu'on a une carte, quelque chose, non? Y a pas l'air. Il est descendu tout seul, hein, j'ai rien fait. On approche juste et il descend. Qu'est-ce qu'il fait?
Ah mais 19 euros quand même. C'est pas donné. Hein. Mais je crois que c'est... Voilà, c'est... Donc le jeu nous offre juste un petit beau plan. Ok. Bah merci. Merci le jeu. Ou alors il voulait me montrer quelque chose que j'ai pas vu. Je sais pas. Ouais, attends, il y a des espèces. Est-ce qu'on peut sauter là? Non. Et on peut peut-être choper les échelles là, mais non, il n'y a pas l'air. Est-ce qu'on peut sauter sur le côté? Oh! Mais trop bien! Ok, ok, ok. Bon, je pense que ça va me plaire. Attends, là, je pourrais pas monter. Hein. Par contre, il y a un truc un peu chiant, c'est qu'il monte un peu facilement sur les objets. Dès qu'on va vers l'objet, en fait, il monte dessus. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur, sur saut ou quoi que ce soit. Ce qui fait que là, quand on a envie de le pousser là, bah, lui, il a envie de monter dessus. Ok. Pas mal. Ça, franchement, ça se joue bien. Le gameplay est pas mal. J'avais peur un petit peu des sauts tout à l'heure, mais... Ah! Eux, ils sont pas commodes. J'ai de leur faire peur. Non, ils s'en battent les couilles. Ça va, c'est de la... du menu frottin, comme on dit. Ça, on peut pas encore les péter. Ah, le copain, il est là. Donc, on a fait un petit tour. Un petit peu plus balèze. Voilà, on traîne pas 3 heures sur un combat comme certains. T'énerve pas, Emento, je plaisante. Ok. Donc, des fois il fait. Comme là, il a fait une attaque. Une estoc. Je sais pas trop pourquoi. Bizarre. Un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a là? On a une espèce de donjon, non? J'ai pas envie de le faire tout de suite. Mais du coup, tu vas le faire sur quelle console, Virgile? Le Shadow. On peut rien faire. Ça, c'est quoi? Un fragment de quelque chose. J'en ai éclaté le papillon dans la main. J'aime bien l'univers. C'est détendu, ça fait du bien un peu. Bon, par contre, les tutos, c'était bien à une certaine époque de les mettre dans les temps de chargement. Ah, on peut. Ok, on peut faire une attaque sautée. Par contre, là, on est en 2023. Du coup, les temps de chargement sur les jeux comme ça, c'est très court. Hein. Et on n'a pas le temps de les lire, les petits conseils. Donc, messieurs les développeurs, pensez à mettre un temps de chargement. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais il faut valider le temps de chargement. Genre X pour continuer. Ça permet de lire. Après, ça peut être casse-couille de valider aussi. Genre, des fois, on attend, puis on n'a pas vu qu'il y avait X. Enfin, bref, il n'y a pas vraiment de solution. Arrêtez de mettre des Z. Voilà, on n'a pas besoin d'aide. Mettez-les autrement. Vous expliquez une fois au début du jeu, avec un tuto bien fait. Donc ça, je pense que... Ouais, c'est les checkpoints. Est-ce qu'on peut les buter, ces trucs-là? Pas l'air.
Qu'est-ce que c'est que cette grosse machine? Merde, je suis obligé de passer par derrière. PS5. D'accord, il y a le mode 60 FPS et tout ça, du coup. Ah, il va falloir que je m'en achète une, hein, de PS5. Là, c'est pas trop le moment, mais... Oh, ça ressemble à Half-Life Alyx. Quand on modifie son gant, ça fait pareil. Sympa. Ah, ça va, je vais pouvoir taper là-bas au fond. Équiper le gant à l'aide de la capacité coup de poing. D'accord. Et du coup... Alors, est-ce que c'est en... Ah, on peut l'utiliser en combat aussi. C'est pas uniquement pour les interactions. Je pense qu'on pourra taper les ennemis avec... sur le côté là. Ok, ça passe. Oh, attaque chargée, allez. Satisfaisant pour l'instant. Ah, j'ai plus de... quoi, j'ai pas d'attaque chargée là. Il fait ça. Ah, Y. Ah, il faut sauter et... D'accord. Ok, pour l'instant, on est pas mal guidé. C'est assez... c'est la zone tuto, je pense. Ils sont pas terribles les tremblements de caméra, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, si je les retire ou pas. Moi je suis pas fan en général des tremblements. Je trouve que ça nuit plus à l'expérience qu'autre chose, mais... Quand c'est léger, ça va. Mais là c'est un peu balèze. Moi aussi, hein, si le son est trop fort, quoi. Si c'est tout bon pour vous. Si mon micro est trop fort par rapport au jeu, ou pas assez fort. Ou... Ouais, ça c'est une ligne. C'est un bloc de béton. Et toi, t'as un robot salade. Que bah. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Oh, on a une map! Trop bien! Assez détaillé en plus. Très détaillé même. Zoom, dézoom. Tu veux que j'aille là-bas? Donc nous on a commencé tout en bas là. Ok. Ok, repose-toi bien. Tu veux que j'aille là-bas, mais... Oh putain, j'ai failli tomber. Mais il nous manque des trucs. Et du coup, cette map, comment on l'a? Ah ok, en faisant start. Ok. Bon ben, let's go, hein. Elles sont à 120€ de moins, soit 400€, ça vaut le coup de vous prendre une fat. Déjà qu'elle est moche à l'origine. Pourquoi mieux vaut prendre une fat? La nouvelle c'est... J'ai pas de mots. Ouais mais après l'esthétique je m'en fous moi, franchement c'est... La caméra je retire toujours le flou. Ah ouais non mais le flou sur PC c'est pas autorisé. Là j'ai pas de flou.
Après, on peut pas diriger la caméra dans ce jeu-là. C'est caméra fixe. Donc là, il n'y a pas trop de problèmes. Mais oui, c'est le premier truc que je retire, le flou en général. Interdit. Donc ça, on peut faire quelque chose ou pas? Non, je pense pas. C'est pas pour maintenant, ça. Non. Et donc là, on est venu de là. Alors attends, essaye de comprendre ce qu'il va faire. Là, on n'est pas descendu tout en bas. Non. Je peux pas tomber ? Ah, on était là tout à l'heure, ok. Mais il y avait quoi? Du coup, ça c'était juste pour regarder. Ouais. Merde, est-ce que j'ai fait de la merde? Je crois qu'il y avait des murs hein, tout à gauche qu'on pouvait péter. La FAT, on va dire qu'il est acceptable. Non, franchement, elle est dégueulasse la PS5. Hein. Après, l'avantage de la Slim, généralement, c'est que c'est... Ils ont corrigé un petit peu les problèmes de hardware qu'il y avait au début, quoi. Normalement. Généralement, la Slim, c'est toujours une console. Hein. Je suis parti où, là? Ah, c'est pour TP, ça. Ok. Ça a dû corriger les problèmes qu'il y avait au début. Après, je verrai. Je suis vraiment pas pressé. Hein. J'ai 1 million de jeux à faire sur PC, d'abord. Ok, les boules vertes. Ça, on peut pas aller. Quoique. Non. Ah, peut-être avec une roulade. Non. J'ai l'impression de monter sur quelque chose là, mais j'ai peur de me faire. De me prendre des dégâts. Ouais, j'ai largement de quoi faire pour l'instant. On verra ça plus tard. Oh! Il nous fait une petite glissade. Trop mignon. C'est un point de téléporte du coup. Pas du tout. Absolument pas. On peut monter où là? Ok, c'était juste un truc optionnel là qu'il fallait trouver. C'est bien, on descend vite des échelles, ça c'est tellement agréable. Oh là! Oh là! Ok, il y a une espèce de lock quand même. Ouais, si. Donc pour l'instant, j'ai juste la roulade hein, pour esquiver les coups. Ça a l'air. Ok. Du coup, mon. Merde. Essayez de lui mettre un coup de poing. Ah, oh, on peut lui mettre des patates. J'essaie de lui mettre un coup chargé. Ah, faut qu'il vienne vers moi. Non, c'est bon. Ah, je crois que l'épée, elle est quand même plus balèze pour eux. On voit pas le nombre de dégâts qu'on leur fait.
là, ça brioute là. Ça c'est quoi? Pas aller. Là non plus. Non. Voilà, j'ai pas vu. Oh le lock, il est assez original. Oh, c'était... On a 3 points de vie, hein. C'est léger. Oh le bâtard. 2. Comment on récupère des points de vie? Ah ok. Ok. Le jeu est très gentil. Ah, il te redonne 3 points de vie si tu bats un ennemi. Oh et oh là. Si je fais ça. Non bah lui il est pas commode. Cool, je peux récupérer ça. Je pense que le jeu sera moins gentil après, là c'est le début. Ah du coup on voit pas trop... Cette caméra permet de cacher des choses aussi. Hein. Une caméra fixe comme ça. Les développeurs peuvent s'amuser à mettre des choses dans les endroits où on ne voit pas. Il y a une lumière là en bas, non? En plus, il y a un point. Je dirais qu'il y a un truc là. Non. J'ai rêvé du slip. On voit qu'il y a un point rouge sur la carte là. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. On va continuer d'avancer. Je sais pas comment on va derrière. Heureux Evento! Voilà, bon jeu à faire, Evento. Je croyais que c'était un platformer, ce hub. Bah écoute, moi je savais pas trop. Je pensais que c'était aventure, plateforme. Et au final, c'est plus. Je sais pas comment on appelle ça, si c'est un Metroidvania ou si c'est jeu de d'action, action-aventure, Metroidvania, puisqu'il y a des passages fermés qui requièrent certains pouvoirs que tu récupères au fur et à mesure. Bah, ça a l'air sympathique, ça se joue bien. Il y a des petites lumières là. Ça se joue pas mal bien. C'est un peu un Zelda-like aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Belle zone. Ça s'assombrit. C'est plus proche d'un tunique Zelda. Alors... Pas vraiment. Enfin, pas vraiment en tunique parce que tunique... quoique... Un petit peu tunique, mais tunique c'est pas, c'est encore un peu différent de tout ça. Donc là on peut stepper entre... Non on peut pas stepper. Ok. Est-ce qu'on a fini la première zone? Je pense pas. Il nous reste des choses à voir là-bas à droite. Ou pas, j'en sais rien en fait. Attends, on va checker si on a... Alors parce qu'on nous dit absolument rien, on n'a pas d'objectif... On nous dit
pas du tout ce qu'on doit faire pour l'instant. Là, c'est bloqué. Je pense plus tard, on pourra faire. Mais ouais, comme on a des pouvoirs à récupérer, des zones du début bloquées par ces pouvoirs. C'est très Metroid. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, j'ai tué, c'était un gentil lui. Je suis désolé. Je me sens pas bien. Ils sont gentils, ils sont pacifiques. On va pas les tuer. Il est sur PS5 ce jeu. Je ne sais pas, mais ouais, certainement, ouais, je crois qu'il est sorti sur Switch. C'est sûr qu'il est sorti sur Switch. Après PS5, tout ça, je sais pas. Mais là, on voit qu'il y a un petit passage. Ah bah c'est de là que je suis venu, non? Ah c'est... Ouais, c'est de là que je suis arrivé. Ok. Il était sorti sur PS4, ouais, c'est 2016, hein, je crois, ou 2017. En tout cas, ouais, l'univers est sympa. Sympa comme trou. Ouh, il y a un gros bruit à gauche. Ah! Qu'est-ce qu'on a là? On va tuer les sbires avant, je pense. C'est les couilles. Ok. En plus, il a un grand bâton. 2, 3, 4. On peut attaquer. Ouais. Pas du tout s'il fait beaucoup de dégâts. Ah, faut attendre que la barre bleue se recharge pour faire un coup chargé. Ok. C'est pour ça que j'arrivais pas. Encore un. Ok. Ah, c'est autre chose que certains joueurs, hein, qu'on nommera pas parce qu'ils sont là dans le chat. Mais... Ils mettent 3 heures à pas battre un boss. Là, il y a du skill là. À toute virgule. 2017. Ça marche. Ah, donc le studio a fermé direct après. Quoi. Attends, tu peux tuer lui, mais ça te rapporte rien. Attends, on peut couper ça. Oh là là, il y a des petites... Il y a des petites fouineries. C'est quoi ça? Attends, est-ce qu'on peut... Attends. Ça, on peut le péter. Hein. Oh! Trop bien. Ah, c'est cool. L'exploration va être récompensée. J'avoue, Guillaume déconne. C'est vrai. Non, il a pas mis beaucoup de temps à avoir la P2 de l'axétif, hein, quand même. Ah bah tiens, tant que t'es là, Emento. Virgule m'a engueulé tant qu'il est pas là. Il m'a dit... Ta caméra, c'est de la merde. Remets l'ancienne. Parce qu'en fait, j'avais remis ma cam sous coupe, tu vois. J'étais tout content. Parce que maintenant, j'ai un petit effet. Regarde, quand il y a une cinématique. Hop là. Et je reviens. Hop là. Il a dit, c'est de la merde. Vire ça. Remets ta cam normale. Donc j'ai dit, ok. Stylé. Ah, mais toi, t'es trop facilement impressionnable. Alors, je me suis dit... Oh non, je voulais pas le tuer.
Ce serait trop bien que, genre, au bout d'un moment, ils deviennent hostiles parce qu'on est trop méchant avec eux. Je me suis dit, on va mettre la cam de base. Et en gros, avec les points de chaîne, tu pourras acheter. Acheter les voilà, les effets de caméra et tout ça. Ça pourrait être sympa, genre, tu payes 1000 points de chaîne et tu peux mettre une minute de soucoupe, tu vois. Pour faire chier, virgule. Bon bah du coup, mais on n'a pas le plan du coup de d'en dessous. Mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc là? On peut rien faire. Je suis ressorti d'où moi? J'ai même pas capté. Mento, je suis sorti d'où? Du coup, on peut le péter aussi, ça? Ah, c'était pour montrer qu'il y avait un truc en dessous. D'accord. C'était pour montrer qu'il y avait un sous-sol. Donc, c'était un petit indice sur le fait que tu dois chercher un truc. Donc, on a récupéré 10 bonbons verts, là. Je sais pas trop ce que c'est. Et on est ressorti par... On est ressorti par là. D'accord, on pouvait pas monter ici tout à l'heure. D'accord, ok. Ça marche. Excellent. Bon, du coup, voilà, comme je respecte mes viewers, moi, des bonbons à la menthe. Exactement. Ou à la pomme. On respecte les viewers ici, donc j'enlève la cam. Après, c'est vrai que ça peut être assez distrayant. Distractif, distrayant. Je sais pas comment on dit. Ça peut distraire. J'essaierai de faire la retravailler un petit peu, qu'elles soient un petit peu plus discrètes, peut-être. Éventuellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça... Wow. Ah, je pense que ça a chargé cette animation-là. Qu'est-ce qui se passe? On peut sauter là-dedans. Oh, calmez-vous là. Bon, par contre, le fait de nous donner plein de soins, c'est un peu abusé. Il est pas mort? Ah mais il y en a plein dans les herbes, ok. Ah ça va, il donne pas systématiquement du soin là. Heureusement parce que... Oh, il s'est grillé comme un débile. Ouais, mais dérangez pas la soucoupe perso, peu importe. Et si elle dépop toute seule pendant les cinématiques, c'est stylé. Non, ça peut pas dépoper toute seule. Mais j'ai un bouton. J'ai un... Voilà, j'ai un truc où je peux... J'ai acheté un Stream Deck. Du coup, maintenant, juste à côté de ma main, je peux appuyer sur un bouton et la faire dépoper direct, tu vois. Facilement, sans me faire chier. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le lock il sert pas à grand chose parce que, comme la caméra on peut pas la tourner, c'est très lisible les combats. Oula! Ça, on va péter. J'ai recevoir un colis aujourd'hui, j'ai pas reçu. C'est quoi ça? Ah, faut mettre là-dedans. Ouais, trop intelligent le mec. Tu peux aussi mettre des effets de son avec le micro et tout. Ouais, je peux faire tout ça. Je peux faire tout ça, les petits échos, les machins comme ça.
C'est juste qu'il faut tout paramétrer, donc je m'en occupe au fur et à mesure. Ça sert à quoi ça, ce qu'on a fait là? Ça a dû faire un truc en haut. Ça a dû activer un truc. Ah, ça a activé ça. Bientôt le succès. Non, non, non. Tout ce que je fais bientôt, c'est juste pour toi. Pour te faire plaisir à toi. C'est pas pour les autres. Ah! Oh putain. Non, non, non! On dira. Ils sont stylés les ennemis quand même. Bon, là on voit plus rien par contre. Aïe, par contre. Un peu chiant les trucs, c'est dedans. Hein. Mais comment je le tape? Alors attends, il faut... Là, faut le laisser taper. Non. Ah, je peux pas le taper, mec. Ah, oh, j'ai pété son truc. Oh, trop bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Attaque chargée pour leur péter leur carapace. Ça, c'est cool. C'est bien où est-ce que les éclairs apparaissent. Enfin, où est-ce qu'ils vont taper. Ah, il faut en mettre deux, lui. Merde. Oh, il est tombé, le débile. Donnez-moi mes bonbons à la menthe. Ah, je les ai eus en plus, trop bien. Excellent, on peut les brain. Oh, mais il est trop bien ce jeu en fait. Oula, lui il a pas l'air commode. Je pense qu'il va essayer de me niquer. Vous pouvez passer là. Oui. Oh, c'est discret ça comme, comme échelle. Hein. Peut-être pour un passage secret. Ouais, je pense. Il a l'air vraiment stylé. Ouais, carrément. Très bonne surprise. Pour l'instant, j'ai hâte de voir les boss fights. Parce que quand même les petits mobs sont travaillés comme ça, je pense que ça promet. Il a l'air d'avoir pas mal de secrets, pas mal de petits trucs optionnels. Il travaille sur le level design aussi, hein, c'est... Pour l'instant, c'est pas du tout lassant, uniforme et tout ça, il y a un gros taf. On peut pas sauter quand on porte un truc. Le chara-design... Ok, ok. Le chara-design est pas mal aussi. Le fait qu'il y ait de la faune pacifique aussi, c'est cool. Donc il faut pas faire de grosses chutes pour pas faire péter ça. On recommence. Ah, tu connaissais quand même, toi? J'avais juste vu le décor. Enfin, la pochette, quoi. Quelques screens, mais rien de plus. Un jeu qui ressemble un peu, qui est plus plateforme, c'est Gros Up et Gros Home. J'avais beaucoup aimé le Gros Up. J'avais pas fait le Gros Home, je l'avais acheté. Je le ferai aussi un jour à l'occasion. Et tu joues un petit robot et t'escalades une espèce de fleur géante. C'est trop bien comme jeu. Ça va allumer ça. Soit.
Soit, soit. On va continuer, on verra. On va essayer de tout allumer. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, pas de pitié. Hein. D'accord. C'est haut. Ah! Tout va bien. D'accord. Il y a encore des trucs à allumer, hein, mais... Je sais pas trop comment on y va. Alors, la caméra fait des trucs un peu bizarres des fois. C'est quoi ça? On n'est pas passé là-bas. Oh là. Alors attends, qu'est-ce que je dois faire là? J'arrive à monter encore. Comment je peux monter là à droite? Faut que je passe au-dessus là. Je crois que je pouvais pas. Si. Attends. On va essayer de repartir à gauche là. Mais carrément pas. Il va falloir que je le fasse du coup. Je l'ai peut-être en plus. Ah bah oui, celui-là. Profites-en. Si ça a l'air de te plaire, ne te spoil pas trop. Hein. Et au pire, tu le lances en même temps là. Non, bah c'est pas ici. Du coup. Ça y était tout à l'heure. C'est en haut là. Du coup, il doit y avoir un autre accès. Sur la droite là. Solide, c'est quoi? Comment on fait pour monter? Là, je peux pas passer. Si je l'ai, why not? Sinon, ce sera plus tard. Ouais. Alors, attends, j'espère que ça m'a pas baisé ce que j'ai déjà fait. Comment je fais pour monter? Bah du coup, eux, ça sert un peu à rien de les tuer. À part quand ils sont sur la route. Histoire d'eux. Non, c'est bon, ça a sauvegardé. Mais on n'a pas d'XP. J'ai l'impression. À part les boules vertes. À part les boules vertes, on récupère pas d'XP. Quoi cette merde? Oh là là! Qu'est-ce que je dois faire là? Bah on y est allé, il y avait rien. Ouais, j'ai choisi en mode difficile. Il y avait très difficile, mais je me suis dit, c'est pour avoir que des sacs à PV en face et tout. On va se faire chier. On peut changer quand on veut le mode de difficulté. Donc j'attends de voir un petit peu plus loin dans le jeu pour voir si c'était trop facile ou pas. Pour l'instant ça va, les petits mobs faut les taper quand même quelques fois pour les buter. Après le fait qu'ils donnent autant de soins c'est un peu chiant, mais ça je pense qu'il y aura peu importe le mode de difficulté. Ils expliquent pas le mode de difficulté, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on était tombé là-dedans? Oui on était tombé. Ça c'est un peu dommage quand ils disent pas ce que ça implique, le mode de difficulté, c'est un peu chiant.
Oh, ça se joue très bien. Ah, on n'est pas tombé là. Ah, c'est ça qu'on a oublié de faire. Je m'étais dit, ça avait l'air un peu bizarre, on verra ça plus tard, et puis j'ai pas fait. Des petits bonbons. Des petits plans sympas, des petits travelling. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Ah! J'espère qu'il y en a un qui va se relever une fois, genre avant qu'on le tape là. Tu fais quoi, mec? Laisse-moi faire ma sieste. Ouais, y a rien d'autre. Ok. Ok, ok. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Rien à faire de cette bouboule. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le jeu te laisse te démerder là. Après, tu les butes histoire d'être tranquille. Je crois qu'ils viennent te faire chier, mais. Bon, tu prends pas. Tu prends pas d'XP alors. Ça change rien que tu les butes ou pas. Bon, bah voilà. On sait pas ce qu'il faut faire. Ça tombe, je suis allé là alors qu'il y a pas besoin. Mais je vois pas de. C'était pas allumé ce truc là tout à l'heure? Comment je fais pour monter sur ce truc au milieu là? On dirait qu'il faut venir là à gauche. Je peux pas. Je ne peux pas. Oh, on a allumé tout ça, on est content. Si on suit les boules de lumière, ça nous mène à ça, mais. Je peux pas la délivrer, celle-là. Je peux rien en faire. Bon. Difficile, c'est peut-être suffisant. Ouais, je pense. J'ai pas envie de me galérer non plus en fait. J'ai envie de, voilà, de faire ça tranquillement et puis passer à un autre jeu. Je pense qu'on va on va faire plusieurs jeux en parallèle. Donc si c'est pour galérer à chaque fois. Mais comment on ouvre ça? C'est pas la peine. Hein. Avec ça on peut stepper. Là, au niveau du brouillard, on est pas mal. Hein. Il reste le truc tout à droite là-bas. On va aller voir. On va aller voir tout à droite. Peut-être que c'était pas forcément la zone de gauche où il fallait aller tout de suite. Ah, ici, il y a un mur qu'on peut péter. Donc, ça, c'est notre copain. Tiens, on peut peut-être aller à la forge.
améliorer déjà des trucs. Normalement, on a accès à certains trucs. C'est quoi ça? Ah, on peut changer son apparence. Donc on a déjà donc une troisième attaque pour le combo. Une attaque est lancée, ruée, donc on pourra prendre les deux là. Roulade esquive améliorée. Génère un bouclier sur votre bras. Est-ce qu'on améliore la roulade ou on fait une attaque? On va améliorer la roulade. Ça, on va regarder ce que c'est. Ah, bouclier, donc L2, pardon. Bon, je pense qu'on fera plus à l'esquive, mais on verra. Oh putain, j'ai commencé à regarder une vidéo, Emento, de Exerve, qui parle du mode, je sais plus le nom, sur Elden Ring. C'est un mode PC. Où ils ont rajouté des parades parfaites comme dans Lies of Pi et tout ça. Donc en gros tu peux jouer le jeu comme Lies of Pi, ça a l'air trop bien. Ouais, Reforge, c'est ça. Tu l'as vu la vidéo? Alors j'ai pas vu tout hein, je suis à la moitié. Mais rien que le fait de voir les parades et tout, franchement ça avait l'air trop cool. Donc là c'est bloqué. Là on peut pas aller. Merde. Donc là-bas, on est bloqué. Il reste juste... là, ici, au milieu, où ça a l'air d'être un peu en nuage encore. Sinon, ça doit être... là où j'étais, il y a un truc que j'ai pas dû voir. Pardon. Revirgule. J'ai vu qu'il a sorti la vidéo, mais j'ai pas lancé encore. Il y avait déjà un système de parade avec le katana. Ouais, mais là, c'est vraiment comme Lies. Je pense que c'est avec n'importe quelle arme. Ninja! S'enlève pas encore. Ah, il est l'heure de manger. C'est ça que vous pourriez me dire, Capeto? Bah oui. Je reviens, je vais donner à manger au chien. Bah oui, je t'ai pas donné à manger, mon pépère. Héreux, héreux.
vraiment dommage que ces mods sont que sur PC. Ouais, ouais, bah ouais. Problème des consoles, hein. C'est que c'est fermé comme système. Et il reneige ici. Je viens de voir dehors là. Donc attends, on avait. Ah, c'était plus bas qu'on n'avait pas vu. Là, ça. Ça a l'air ok. Alors, je pense pas qu'on puisse mettre de petits. Non. De petits marqueurs sur la carte, ça aussi, c'est dommage. On aime bien les marqueurs. J'aime beaucoup les marqueurs. Je suis un psycho des cartes, moi. Et toboggan! Wouhou! Comment je vais à droite là? Merde. C'est par au-dessus? J'aurais testé le mode résurgence de DS3. On pourrait pas aller là, si. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Donc comment j'y vais là-bas? Merde, je suis bloqué là. Mais ils étaient pas ces boules roses avant. Je suis un peu fait carjacker là, avec ça. On peut passer par en dessous du coup. Ah, peut-être là. Je peux pas aller. C'est quoi ça? Là. Pourquoi on peut pas revenir au début? Bon, du coup, il va y avoir autre chose. Pareil, ils nous attaquent pas, c'est bien ça. Ça, on sait pas ce que c'est. Bon bah voilà. On est bloqué. Et résurrection sur Sekiro. Voilà. Il est tombé. Bon bah, il y a un truc qu'on n'a pas dû capter ici. Ah oui, il y avait ça aussi. Non, là c'est bloqué. D'ailleurs, le jeu il bug ici. Ok. Comment on monte là? On peut pas. On est bloqué. Là, on est déjà descendu là-dedans, ouais. Alors, attends, est-ce que c'est là au-dessus? On a raté un truc, c'est pas possible. Hop là, pardon. Dommage collatéral. Ça, on a déjà activé.
faire un truc avec cette boule. Ah mais attends. Ok. Ça a ouvert au-dessus en fait. Ça c'est un peu bizarre ça. Non? Attends. Ça a fait un truc là. Ah ça a ouvert ce passage là. Ah mais ça alors... Mais ça change quoi? Ouais ça fait une échelle là. Ah mais on n'y est pas allé là. Ok ok. Bon ça c'est un petit peu... Bizarroïde. Bon c'est pas grave, on a perdu 5 minutes. Mais au moins on a trouvé d'autres trucs. On monte là-dessus. Ok, nouveau raccourci débloqué. Attends, on va aller là-dedans d'abord. Ah c'est une forge ? Ah non, pas du tout. Ah mais du coup, il y a quoi le... derrière là? C'est quoi ça? Rien du tout. Ok, 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 ok. Bah, let's go. C'est joli comme tout. Donc quand on a activé la deuxième boule là, ils ont pas trop montré ce que ça avait fait. C'est un peu dommage. Ou alors j'ai pas trop fait attention. Mais... bon, on s'est un petit peu perdu. Pardon. Pardon petit animal sans défense. Allez, on va pimper le bras. Nouveau pouvoir. Des bisous, virgule. Merci d'être passé. Merci à toi. Merci pour tes petits conseils techniques. Du coup, plus jamais de soucoupe sur ce stream. Désolé, les gars. À cause de virgule. Alors, nouvelle capacité du gant. Non. Il y a un truc là en bas. Ah merde, c'est au-dessus. Ah ok. C'est trop haut. C'est trop haut. Ah, c'est ça alors. RB. Nagan. Et c'est foutu de ma gueule le jeu là. Un petit peu. Et il me propose encore RB. Bon, ça sert à rien. Ah, je peux modifier ça? D'accord. Je peux le tourner. Ok.
Merci. Oh! C'est pas aimé ça! Dépêche-toi! Non! Quelle idée de tomber aussi là! Quelle maîtrise! Attends, on peut descendre là? Ah, c'est là où on est arrivé. Ok, donc on a un nouveau pouvoir. Donc au début de la zone, il y avait un truc comme ça. Là. Ici. Bon, ça va. Le jeu est bien pensé quand même. Ok, checkpoint. Et on peut désactiver ça. Franchement, le level design pas mal pour l'instant. Alors attends, ça où? Ça a levé ça. Oh! C'est ça, c'est trop bien. On peut les écraser eux ou pas? Je peux pas aller là. Bon, je peux pas faire grand chose. Je peux aller là par exemple directement. Bon, il y a un escalier, ça sert à rien. Ah si, je peux le dépasser là. Ah, je peux marcher là-dessus. Je peux les pousser ou pas? Ils se battent entre eux là, non? Je peux aller là maintenant. Première. C'est quoi ça? Il y a un gros. Oh! C'est beau ça! C'est bien qu'ils mettent des petits plans comme ça de temps en temps. On n'a rien demandé, mais. Oh, du coup, ça fait bugger la caméra un petit peu. Mais c'est sympa. Sympa comme tout. Amélioration de points, coup de points plus puissant. Alors est-ce que c'est directement appliqué ou est-ce qu'il faut le faire? Je sais pas. Est-ce qu'il faut le forger? Je vais pas mourir toi. Oh. En PLS suivant. Attends, attends, je vais me faire. Faire niquer. Attends, eux, si on les fait aller là-dessus. Jouons intelligemment. Genre il peut marcher là-dessus lui. C'est de l'arnaque.
Bon, les gros, ils donnent des bonbons à la menthe, donc faut les niquer. Ah, c'est lui, il a un bouclier en plus. C'est pour ça qu'il faut le taper deux fois avec le coup de poing, je crois. Merde, j'ai raté. Oh, il est tellement long à se recharger le coup de poing. Ouais, donc la première fois on pète son bouclier. Et la deuxième fois, bah, on pète rien parce qu'on rate son coup. Oh, mais il va pas crever lui, hein. J'ai l'impression que mon épée elle est de pire en pire. Ok, bon, c'est passé. Du coup, on pouvait monter là. Ah, mais c'est d'où on vient, ça. Là-dessus, on peut pas monter, si. Ah, si. C'est pas ça que je veux faire. Ok. Nul. Et là, y'a rien. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a ramené cette bestiole là. C'est pour monter ici. Ok. Là. Ah oui, y'a lui, merde. Wow, oh, il est des attaques de zone. Merde, je vais crever là, je pense. Bon, heureusement qu'il y a des soins en vrai. Il y a trop de soins par contre. Il est un peu plus vénère lui que son pote. Non mais il en a combien des petits là? On va essayer de le... Il repompe à l'infini, c'est quoi? Merde. Nard. J'ai l'impression que c'est lui qui les fait popper. Et bah GG. Donc les gros, normalement, ils repopent pas. Puisqu'ils donnent des bonbons. C'est ça. Donc les gros, faut toujours essayer de les buter. Et les petits, on s'en bat les steaks. Regarde là, les petits, on les bute facilement. Je comprends pas. On dirait qu'il y a une usure d'armes ou je sais pas quoi. Ah, ce que je kiffe, c'est que ces attaques, elles touchent les sbires. Rien faire quand il est là-haut. Ah si, je peux le toucher si je saute là. Saute! Vite! Ah, faut que je... Ouais, elle déloc. Le lock, c'est chiant. Je pense qu'on va pas... On va pas locker les ennemis, ça sert à rien. Et là-haut, comment... Comment je m'y rends?
Je peux pas. Par derrière. Non. Il y en a de plus en plus. Il veut pas mourir. Ah si, il est mort, non? Ah si, c'est bon. Ah oh ouais. On va tuer les connards maintenant. Merde. Je pense qu'il va plus popper maintenant. Ok. Pas mal, pas mal. On était déjà allé. Ah, on pouvait sauter là-dessus. Oh, on peut les péter ça? Je pense qu'on aurait dû faire ça. Ça lui aurait peut-être retiré ses pouvoirs, je sais pas. Ah, il aurait peut-être pu. Ça l'aurait peut-être empêché de se téléporter, je sais pas. Je sais pas. Donc là, point de vue. Ouais, sympa. Ça me rappelle un petit peu les Jack and Daxter sur PS2. Genre de jeu. Vachement coloré. Je fais quoi avec ça? Attends, qu'est-ce qu'il me montre là? C'est la merde là-bas au fond, ouais, ça on l'a vu. Alors attends. Il faut qu'on descende là. Mais attends, il y a un. Il y a un truc là qui monte. La plateforme là, elle est montée, on est d'accord. Regarde, elle se déplace. Attends. Voilà. On se barre. Est-ce qu'on peut sauter dessus? C'est pas pour rien qu'elle se déplace. Je crois que je suis tombé dans le tout petit trou qui était juste à côté. Oh putain! Du coup, je suis obligé de retourner pour retester sans être sûr. C'est pas grave, il sera plus là le gros. De toute façon, en vrai, je sais pas. Faut faire hein, par ça. On va essayer de descendre là. Je pense qu'on peut marcher à gauche après. Je vais attendre que ça remonte. Même si je pense qu'on peut sauter de là, hein, mais. Pour être sûr. Oh, mais genre! Pourquoi tu fais ça le jeu? Pourquoi tu mets une plateforme qui bouge si je peux pas aller dessus? Bizarre ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Garer ça dessus. Oh! Mais oui!
Ça a résonné avec le truc en haut à droite. Oh, ça baisse des trucs. C'est trop bien. Comment je monte sur ça? Ça reste actif quand même. Il n'y a pas d'autre. Le problème c'est que... Ouais, c'est qu'il redescend. Ouais, putain je... J'ai senti venir celui-là. Bon. Du coup... Alors attends. Je dois faire. Ah, ça a activé ça. Ça a activé ça. Ou alors ça y était déjà avant et je l'avais pas vu, mais. Ok. Pas mal, pas mal. Non, ça y était pas tout à l'heure, je pense. C'est ce qu'on a vu se déplacer dans le... dans la petite cinématique. Ok, point de sauvegarde. Descends là. Avec le petit bruit, clac, 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 clac. Ah, ça a déconnecté un truc. D'accord. Tant mieux. Ah, on peut pas l'emmener là. Ok. Si on peut le pousser. Oui. Déplacer pour sauter dessus. Oui. C'est lent. C'est quoi ça? Je pense qu'il y a trois lumières à activer ici. Ah! Attends, si on vire ça... Ah bon, on s'en fout maintenant qu'on a appuyé sur le bouton, c'est bon. On va fermer la trappe. Ok, deuxième bouton. Ah, le troisième, c'est en remettant le cube du milieu, je pense. Là, c'est bon. Si on appuie celui-là. Est-ce que c'est bon? Ouais. Allez! Quillotte. Je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Là c'est un signe. Je sais pas si on peut sauter là. Ah, c'était pas comme ça tout à l'heure ça.
stylé. C'est stylé, ces mondes qui évoluent, là. Ah, mais ça, d'accord, on est revenu à ce niveau-là. Et on peut déplacer notre bonhomme. Ouais, mais c'est trop bien, hein. On pourra le garer là-bas. Excellent. Alors attends, il y avait quoi là? Ah, des crapettes. Oh, on a dit qu'on enlevait ça. Patate dans le ventre! Ah bon, l'épée. Attaque chargée au point, ça marche bien. Par contre, attaque simple au point, c'est pas ouf. Et comment on n'a pas d'attaque chargée à l'épée? Bah, des fois, c'est pas mal de faire une attaque chargée. Bon, faut amener la bébête ici. Il a des abdos, wow, plutôt ventripotent, comme on dit. Il y a deux échelles là. Reviens là, la bébête. Laisser en position haute, lui. À droite là, s'il n'y a pas des petits trucs à récupérer. Je pense que si. Non! Attends, il n'y a rien là, on est d'accord. Hein. Par contre, est-ce que je peux monter à l'échelle? Je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Ça me paraît un peu haut. À celle-là. Ouais. Je sais pas trop comment je dois faire. Ah mais celle-là je peux monter. Ah puis je peux sauter à gauche là. Ouh, Lara Croft. Là je peux sauter. Ah non, je peux pas aller en l'air. Donc il peut faire un saut de 15 mètres à gauche, mais il peut pas faire un saut d'un mètre au-dessus. Bon, ok, ok, ok. Admettons. C'est quoi ça? Ah! Putain, c'était... C'était facultatif. Nice. On récupère un morceau d'épée. Donc quand on récupère des fragments comme ça, on peut passer. Hop. Ah mon dieu. J'ai tellement l'habitude d'appuyer sur un bouton pour descendre une échelle que là j'ai appuyé. Du coup quand j'ai appuyé, ça l'a... Ça l'a sorti. De l'échelle. Je me suis coincé, je crois. Non, c'est bon. J'ai fait un suicide. Mais normalement j'ai récupéré le morceau. Ouais, c'est bon. Donc quand on a trois morceaux d'épée, on peut récupérer
l'upgrade l'épée. Là on est bon. Donc faut bien explorer pour être récompensé, c'est cool. C'est plutôt nice. C'est plutôt nice. Petit checkpoint. Il y a beaucoup de checkpoints, hein, c'est cool. Pour un jeu comme ça, voilà. Je sais pas que dans un Soul, je veux autant de checkpoints. C'est vrai qu'une chute est vite arrivée. Mais bon, ça ferait chier de retaper beaucoup de route. C'est pas le but du jeu. Oh, je peux descendre, est-ce qu'il y a un intérêt? Ok, il y a un truc à droite. Est-ce qu'on peut descendre là? Ouais. Ok. Je sais pas si c'était le bon chemin, mais... Ok, plus qu'un morceau comme ça et on aura une deuxième barre de... Pour les coups de poing chargés, c'est pas mal. Une sorte de... barre de barre bleue, voilà, simplement mot technique, c'est ça. Bientôt les Game Awards, c'est quoi, le 5, c'est ça? Ah, je pense qu'on aura pas mal de nouvelles, de pas mal de trucs, hein. Oh, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui pourquoi il a tapé son copain? Oh, oh là là, ils sont trop méchants. C'est trop bien. Ouais, des nouvelles d'Elden Ring, du DLC, peut-être de Lies of P, DLC aussi. Ça ferait un peu doublon, mais je sais pas. Pourquoi mon gant, il brille? Parce que je suis mort en le chargeant, je pense. Ça doit être ça. C'est pas mal, tous ces petits points de vue. C'est quoi ça? Il y a un truc en l'air. Oh, ils sont énervés, eux, hein. Oh, mon dieu. Allez, ça se corse, ça y est. On se concentre. Peut-être Hollow Knight? Non. Pas déconner. Tout le monde a perdu tout espoir sur Silksong. Attends, est-ce qu'on peut lui mettre une attaque? Allez. Oh, il a buté son pote! Mais c'est trop bien ça, j'adore. Ça, je kiffe. Ça, j'adore dans les jeux. Lui, c'est un copain, hein. Oh, le fait tomber. Je suis désolé. Ah, mais du coup, si je mets quoi là-dedans? On sait pas. Ça tombe, il me servait, le petit. Bah. Alors, ce sera un pouvoir que je vais débloquer, prochain. Je
peux pas interagir avec lui. Je peux même pas le pousser. Non. Ah bah c'est super ça. Quoi, c'est tout? Attends. Je peux sauter, on est d'accord. Ouais. Ah bah super, ça sert à rien. C'est bien. Ah bah, oh putain. Tout va bien. Tout va bien. C'est quoi ça? Oh. Nice. Alors je sais pas si on est descendu ou c'est le reste qui est monté. On n'est pas allé voir là-bas au bout. Attends, avant de monter là, on va aller explorer un peu, voir ce que ça a fait. Lies of P, j'espère, mais je ne pense pas. Oh, pour être surpris, hein, à mon avis, moi, il était déjà bien avancé le DLC quand, quand ils ont sorti le jeu. Oh! Un fragment de cœur. Nice! On a bien fait d'explorer. On a bien fait. Plutôt nice, plutôt nice. Et du coup, ça, on peut encore le. Ah, puis. Attends. On peut encore taper dedans? Allez! Là, y'a rien. Et ça. D'accord, donc c'était en deux étapes. J'avais pas terminé. J'aurais été bloqué au-dessus, je pense. Et là par contre, on peut plus taper dedans. Non. OK. C'est marrant ça. Parce que là, du coup. Ah! Ok, donc j'étais bloqué, je pense, tout à l'heure au milieu. Attends, il y a deux trucs là. Ça. Oh là là, tu as monté, petit enfant? Ok. Ah mais ok, c'est lui qui... D'accord, il est pas du tout gentil lui, c'est un connard. J'enlève le log, ça sert à rien en vrai. Ah alors. C'est un connard mais au moins on récupère des... Oh! Je suis en train de me dire, je vais tomber comme une merde et je vais encore rager et en fait non, trop bien ça... Oh là là, franchement c'est excellent. Par contre c'est dur. Ça veut dire qu'il va falloir fouiller des endroits. Là, il n'y a pas grand-chose qui te dit que tu peux aller là. Mais ouais, les petits, ils ouvrent les machins comme ça pour récupérer des bonbons verts. Bon, tant pis. Donc on a déjà dû rater des morceaux d'épée, c'est sûr.
comment c'est bien caché. C'est quoi la gauche? Ah. Mob Elite. C'est pas mal, hein, y a pas trop de temps mort, c'est assez bien équilibré, je trouve. Hein. Donc ce coup-ci, on pète ces machins-là. On va voir ce que ça fait. Aïe. Du coup, il pourra plus se téléporter peut-être ici. Et si je pète celui-là. Il y a toujours des pouvoirs, mais alors du coup il peut, je sais pas, plus se téléporter. Est-ce qu'il repop ces colonnes? Est-ce que j'ai sauté alors qu'il fallait pas? Enfin, je suis monté alors qu'il fallait pas. Oui. Ah, elle repop pas les colonnes. Alors du coup... Est-ce qu'il peut se téléporter cet enfoiré? Pas l'impression. Par contre, il est pas au meilleur endroit. Ah mais relou mec. Ok c'est bon. En plus ces petites pommes elles restent. Bon on a un peu beaucoup de soins dans le jeu. C'est un peu dommage. On en a un peu trop. Ça sert à quoi ça? Ok ça, ça va se déplacer je pense après. D'accord. Super. Bon, j'espère qu'il y aura un boss de zone, hein, un truc qui finit quoi, un petit peu. Rien à faire là. Ah là, on peut aller, ok. Là. Activation. C'est quoi ça? Pourquoi il est pas activé lui? Non! Pas bien. C'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a activé. Et si on part de là? Ah bah dans le mur, super. Est-ce que c'est plus haut du coup? On a activé quelque chose. Non. Ah merde, c'est quoi ce bordel? Il y a de la lumière là-haut, ça veut dire qu'on peut... Il y a un truc aussi là-bas. Ah.
Comment on fait pour monter? Mais lui, ça va bouger encore tout ça. Oh, attends, il y a un truc que j'ai pas dû capter là. J'ai pas bien appuyé là-dessus. Ah, c'est chronométré! C'est pour ça qu'il y a un bruit. Ok, ça nous permet de passer au-dessus. Allez! Excellent! GG! Ah! Qui est bloqué! Faut forcer un peu, c'est un peu rouillé. Non? On va le faire à la main? Taper dessus quand ça. Quand ça bloque. Technique de pro ça. Non? Ah, je vais tirer dessus. Voilà. Je suis réparateur, vous inquiétez pas. Oh là là, il y en a de chaque côté. J'y croyais moyen celui-là. Un peu plus freestyle. Alors j'ai pas pris le bon chemin, je sais pas. Ah, je crois que j'avais pas pris le bon chemin. Bon, heureusement qu'il se rattrape au paro. Quel talent incroyable. Merci. Merci, merci. Ah, je suis pas. Si, je suis mort. Heureusement qu'il se rattrape aux parois. Hein. Bon. On recommence. Ah, la 3D, les jeux de plateforme, hein, c'est toujours compliqué la profondeur. Bon, ce coup-ci c'est bon? Merde, je me trompe de bouton. Tout est vert. Yes. C'est un bruit de péniche ça? Paquebot? Qu'est-ce qui se passe? Je vais m'éloigner un petit peu quand même. C'est beau. On va allumer toute la loupe de tuning. Trop bien. Qu'on puisse monter sur l'échelle pendant qu'elle bouge, c'est trop bien. Je pense qu'on aura un double saut plus tard et on pourra revenir... dans certaines zones. Oh là là. Ouais, il y avait des trucs à gauche aussi. Hein. Caméra? Caméra? Non? Oui? Ok. Ça mène à quoi? On est revenu au début là. Ah ouais. Ok.
Alors attends. C'est de me remémoriser. Ah oui, on était monté là. Et en bas. En bas, c'était un. C'était un cul-de-sac. Il y avait juste ça. Et ça, il n'y avait pas. Ok. Redonner au grand conduit sa splendeur d'antan. Pas avec plaisir. Avec grand plaisir, grand conduit. Alors on est revenu. Ouais, oh là! On a créé un pont ici en fait. Non. Est-ce qu'il peut m'attaquer quand il y a. Non, il peut pas. Non, je voulais taper. Désolé. Du coup, pardon. On peut déplacer la bébête. Mais ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on a ratés en bas parce que on en a vu. On a vu des choses en bas. Mais ça c'est d'accord. On n'y avait pas accès au début ça. Avec la bébête. Ah, ça fait que je peux marcher là-dessus. Et je peux venir là. Oh, je peux les écraser, c'est con. C'est trop bien. Impeccable. Trop bien. Mais ouais, on a raté des trucs en dessous. Mais je sais même pas si on pourrait y retourner en plus. Ça qui est... Uf. C'est quoi ça? Faut ramener un truc ici, je pense. Aïe. Hop là, t'es tombé, mec. Ah ouais, mais il faut le buter parce qu'il donne des bonbons à la menthe. Faut le buter à la... À la loyale. Oh, pardon. Il est un peu à droite. Oh là là, c'est immense quand même. Que là, y a rien. Ok, impeccable. J'aime bien quand y a rien. Est-ce qu'on prend le téléporteur ou est-ce que c'est un cul-de-sac? Ah non. Que ça mène au même endroit? Non. Attends, 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 attends. À mon avis, il y a un petit. Ah, mais non, si, on est déjà allé là en bas. Ou pas? Ah, j'arrive pas à savoir. Attends, pour le défi, on va passer là.
truc là. Attends, c'est bloqué. On dirait des bobines de Tesla ce truc. Oh! Voilà, je vais me faire baiser, non? Ok, ça mène là, donc on n'était pas allé. Merde, je suis mort. Après, la mort dans ce jeu, elle est pas très punitive. Hein. Vraiment pas très punitive. Ça, je peux le ramener là. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... J'imagine que oui. Il s'est ouvert un escalier au-dessus. Donc là, par contre, c'est important de passer par le téléporteur. Ça change. Ça va ramener la bébête là-bas. Peut-être ça a stoppé les éclairs et c'est plus facile de passer ici. Ça fait moins chier. Oh, ça doit servir à ça. Je pense. Ensuite. Bon, lui, j'imagine que ça va se traiter. Ah, peut-être pas. Ah, faut peut-être réfléchir quand même. Et je vais où là? On va monter plus haut. Non. Hop là, dans le... Attention malheureux. C'est bien. C'est bien. J'aime beaucoup. Le fait... Faut observer un petit peu quand même, c'est pas dur, juste tu tires au maximum. Je filme manger vite, j'aurai après, ça marche, bon appétit à toi. Quelle heure il est ? Tu t'en prends. Bon appétit, bon appétit. Donc à mon avis, ça marchait pas si on n'avait pas la bébête en dessous. Ou alors on vient de l'éclater et repose en paix. Ça a tout allumé, donc ça a peut-être allumé le truc là à droite. Oh là là, c'est incroyable. Bon, ça veut dire qu'on a fini la zone là. Je pense. Ça va même pas donner une petite récompense. Pas ce bruit horrible. Ah, ils ont enlevé l'échelle là. Faut qu'on y retourne, faut qu'on s'y perde. Ok. Bah, cette partie-là est terminée. Il y a un cœur là. Bizarre.
retour dans la nature. Oh ! Schéma trouvé. Warp antimatière, téléportation derrière les ennemis. D'accord. Ça. On dirait une espèce d'énigme. Non, on peut pas interagir avec. Non. Pour plus tard. Oh, on est revenu là. Bien vu qu'il y avait des schémas au sol. Ok. C'est tout. Je te marave, moi. Je te tabasse, mec. Qu'est-ce que tu me montres? Faut que j'aille là-bas. Ah oh, c'est beau, regardez-moi ça. Pourquoi il me dit qu'il y a un petit cœur là? J'essaie de savoir c'est quoi ça là, au milieu. Là. Est-ce que le jeu me donnerait pas tous les... tous les objets cachés comme un sale, parce que là aussi il y a x1. On dirait bien hein. C'est pas cette vue qui est utilisée pour montrer le jeu dans la pochette ou quoi. Ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Accès là. Ah, c'est d'où on vient. D'accord, ça c'est la zone qu'on vient de faire avec le rocher troll là qui nous troll. C'est bizarre que ce rocher se déplace quand même. Il y a aucun autre rocher qui se déplace comme ça. Lui se déplace. C'est pas normal. Regardez, il en plus il y a un mouvement bizarre. Il va monter. Non. Il bouge plus. Il bouge plus. D'accord. Ouais. Ah si, là, il redescend. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon. Est-ce que on en profite pour... Ah, donc ça, attends. Ça, c'est pas forcément des objets. Ça, c'est les téléporteurs, je crois. Ah non, c'est les points de vue. Ça, c'est les points de vue. D'accord. Ok. Putain, ils auraient pu mettre une légende, quand même. Et ça, c'est quoi? C'est le nombre de morceaux qu'on a trouvé. Et ça, on sait pas trop ce que c'est à gauche. Putain, il y en a beaucoup, en tout cas. J'irais bien voir le truc avec le cœur là, tout de suite. Tant qu'on n'est pas trop loin. On peut acheter des trucs normalement. Oh merde, c'est pas là. On peut t'en tromper. Je crois qu'on est à la forge.
C'est le retour. Ah, c'est pas toi. Est-ce qu'on essaie de choper ça? Est-ce qu'on y aura accès vraiment? Au pire, on s'en bat les steaks. C'est bien aussi. Ah, mais le cœur rouge, j'aurais bien voulu voir. Allez voir vite fait le cœur rouge. Est-ce qu'on s'est déjà perdu? Évidemment que oui. Oh, on n'a pas appuyé là-dessus. Ah, oh, mais on n'a pas appuyé. Oh, bah, c'est par où? Je peux pas se téléporter? Oh merde. Ah bon, on peut revenir ici? C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Je cherchais à revenir ici tout à l'heure. Ok. Wow. Oh là là, mais qu'il est nul. C'est pas possible. Bon. Ça, ça va me filer un bout d'épée. Je le sais. Je le sens. Ces trucs là. Sac. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu veux, mec? C'est quoi ce truc là? C'est le symbole de l'épée, ça. Hein. Pas vraiment. Bon bah, ok. C'est pour plus tard. On peut monter là aussi. Ah non, c'est d'où je viens. Ok. Bon bah du coup ça c'est fait. Ah bah de toute façon c'est affiché sur la carte donc il y a un truc. Un mystère. Un mystère et un mystère. Donc ici. Petit sac aussi. C'est quoi ça? On aura un arc plus tard. Un truc bleu là-haut. À droite.
étrange. Totalement étrange. Et donc là, au-dessus... Rien de spécial. Oh! Mais ça... C'est qui lui? Là aussi il y a des trucs bleus. On va y aller là? Comment je peux le buter lui? Il doit y avoir un moyen de passer hein. Non? Je pensais pas. Attends, ça retire toute cette merde. Là-bas? Comment on pourrait descendre? Oh, peut-être la grande échelle là. Ah bah non, ça a pas l'air. On va essayer d'aller voir. Et ça. Ah attends, on n'est pas monté là. Si. Nul. Nul, nul, nul. Oh merde! Oh, en plus ça me ramène là, puis je sais pas comment aller à droite. Merde. Chier. Oh. Oh, y a un truc là-haut. Ouais, ouais, non, mais il faut bien niquer le truc violet. Hein, pour récupérer des trucs. Ah, donc ça indique bien. D'accord. Alors, peut-être parce qu'on l'a vu, qu'on est passé pas loin. Le truc s'est mis sur la carte et au début, il n'y est pas. Peut-être. Je sais pas. Oh, ouais, genre tu rebondis comme ça. Ok. Ça a fait quoi? Ah, ça a ouvert ça. Nice. On peut revenir ici. Du coup, on est reparti là-bas. On va pas glisser à gauche. On va aller au fond à droite. Là, on peut pas aller. Allez. Si on le remet là-bas. Est-ce que ça fait quelque chose?
Et si on descend ici, là il se passe rien. Et si on saute là, on meurt. Putain. Bah oui. Oh, comment je fais? Il y a plein de mystères mystérieux quand même, hein. Là. Ça, on peut pas passer au-dessus. Ah, ce sera peut-être pour après, hein. Parce que là on voit qu'on peut revenir à droite. Attends. Ah! Oh putain. C'est quoi ces machins bleus là? Ah mais c'est ça que j'ai... Bah si je l'avais fait. C'est ça que j'ai pas vu tout à l'heure mais si. Est-ce que c'est ça que j'ai pas fait? Genre sauter. Je suis où là? Je suis là, non, mais y'a rien là derrière. Oh, oh. Bravo. ok. Comment? Comment on défonce cette bestiole là? C'est ouf. Ça on peut pas le taper, dès qu'on touche ça nous baise. Il peut y avoir un passage souterrain, quelque chose. Ça peut-être. Non, ça apparaît pas sur la carte ces trucs là. Et on dirait que ça peut se déplacer quand même. On dirait que ça peut s'ouvrir. Comment je peux aller là-bas? Ah! Ok. On voit sur la carte. Il y a un petit chemin blanc. Alors il y a l'air d'avoir un grand trou en bas à droite, hein, mais. On dirait qu'on peut monter dessus. Enfin, on va essayer d'y aller. Pas gagner, mais... J'ai que ça comme indice. Je
Je sais pas comment je me retrouve de ce côté-là à chaque fois. Bon. C'est bizarre, on dirait un trou ça sur la map. Mais non. Bon là on n'avance pas, mais j'ai envie de prendre mon temps quand même d'explorer un peu le jeu. Alors là, donc un peu plus à droite. C'est quoi le machin en face là qui brille? C'est rien. En fait, faudrait monter là, sur cette passerelle là, qui est là en dessous à droite. Voilà, sur ce mur-là. J'arrive à monter là-dessus. Ah bah je peux pas là, c'est impossible. Y'a rien. Y'a rien. Le jeu me troll. Non, bah, je sais pas du tout comment rejoindre cet endroit là-bas. Alors, est-ce que c'est pour plus tard ou pas? Je sais pas. Je vais pas perdre non plus trop de temps là-dessus. C'est lié à ce truc-là. Ouais. On a rien. Bon, on va se casser, je pense. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir des trucs là à gauche? Super avec l'animation en 2 FPS des géants. C'est dégueulasse. C'est vraiment de la merde ça. Faire un beau plan comme ça avec. Ah mon dieu, on dirait South Park. Ah, c'est moche.
Dommage, c'est un beau plan. En photo, ça rendra bien. Ah ! Ça, on ne l'avait pas sur le plan. Ok, donc c'est bien quand on voit les choses qu'elles apparaissent sur le plan. Donc c'est... On est... C'est ok. Bon bah let's go. Donc on a pris un point de vie là. Impeccable. Donc on a dû voir une grosse fleur tout à l'heure. Mais comme j'ai cru qu'elles étaient toutes méchantes, eh ben j'ai pas dû y toucher. J'ai dû la laisser tranquille. Alors ça, on va retourner voir quand même si on peut toujours pas le faire. C'était où ? Du sauter. Non, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas pour maintenant. La bébête. C'est là. Ah, elle est là, la grosse. D'accord, je l'avais pas fait alors. Je connaissais pas encore le délire. Ok. Donc ça c'est bien. Donc les grosses stèles c'est les téléportes là. Alors l'histoire du croissant du coup. Pas trop ce que c'est. Les petits nuages là c'est le... Enfin les ronds avec les petits nuages c'est les points de vue. Ouais, le truc violet, il y en a encore ici, donc à mon avis, ce sera pour plus tard. Et on peut pas... On peut pas avoir la carte du dessous. Parce que c'est sûr et certain qu'on a raté des trucs en bas. On avait vu, hein. On a vu qu'on a raté des trucs en bas. Ça trigger un peu. Parce qu'on peut pas redescendre, je crois. Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'est pas allé là ?
si, en effet. On peut encore le bouger, ça? On peut le déplacer. Pas trop quoi faire. Ok. Et c'est pas bien grave. On va aller voir la suite. Hein. Ça, ouais, faudra revenir aussi. Ah, il est pas sur le plan, ce truc-là. On va aller voir la suite. Ça, c'est mon... C'est quoi ici? Jamais venu là, si? Je reconnais pas cet endroit. Je crois que c'était ma forge ici. Si, j'étais déjà venu, mais dans l'autre sens. Les murs sont pétés déjà. Putain, je comprends rien, on est où là? Cette carte. Ça tombe, je suis jamais venu. Ça me parle pas, hein, ça. Le fait que la carte soit ça, ça me dit que ça tombe, il y a un truc à faire. C'est pas possible. Oui, on est déjà venu. Sinon, ce serait pas act... ce serait pas désactivé, ça. On s'est fait chier pour rien, là. Grosso modo. Bon, bah, fuck. Je sais plus où est ma forge. Non! Comment je fais? C'est quoi ça?
Ah, c'est là, putain, le connard. Bon, je pense qu'on a assez perdu de temps sur tout ça. Est-ce qu'on peut aller explorer un petit peu la... Attends, on va aller à la vraie forge, du coup, qui est là à gauche. C'est là, ici. Acheter, je pense. Ah, puis on avait récupéré un plan pour je sais plus quoi. Ah bah c'est ça. Ok, bah plusieurs plans du coup. Coup de poing plus puissant, attaque et lancer sur puissante. Téléportation derrière les ennemis. Ouais, ça on s'en fout en vrai. Et pour l'épée. Ah, il me manque un truc, je crois. Eh ouais. Un ou deux, ça. Et du coup, l'autre qu'on avait vu là-haut. Ah, ça doit être lié au truc violet. On ne doit pas avoir accès pour l'instant. Allez, c'est pas grave. Let's go. La suite, c'est là-bas. J'ai plus rien à dire. Là, c'est quoi? Ah, c'est pour voir un beau plan. Ok. Parce que du coup on peut aller là, mais on peut aller aussi il y avait deux endroits pour y aller. Il se fait bolos par les lianes. Excellent. Ouais, bon, c'est bon. Trop de con. Alors, ouais, mais du coup. Attends. Ah merde, je peux plus remonter là. Bon, bah, ça c'est fait. Parce que on pouvait passer en bas aussi là et partir à droite. Donc, c'est pas grave. Ça va votre crachat là? Aïe. Oiseau. Non. Il y a un copain là-haut.
accès. Ah, du coup, il apparaît sur la carte maintenant. On l'a trouvé. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal comme système. Sympa le petit oiseau qui s'envole pour nous dire hey, copain, tu peux sauter ici. Fais peur, il attaque jamais. Ah, et moi aussi j'ai un bouclier. Ah oui, merde, je peux... Attends, c'était quoi ça? Non, mais il attaque jamais. Ah si. Sacré allonge. Oh, encore ça? Attends, ici je peux faire. Ah, ça dépend des épées. Ça dépend des épées. L'autre c'était pas le même schéma. Donc, à mon avis, il faut le. Il faut une upgrade d'épée pour l'autre. Et on l'a raté. Ça sert à quoi? C'est quoi? C'est une espèce de donjon? Pardon. Activer la salle du savoir 1 sur 5. Oh! Salle du savoir. C'est un truc ou il se passe rien? Je m'assois si vous voulez que je m'assoie. Salle du savoir. Il y a une espèce d'amphithéâtre ou gradin ou je sais pas quoi. C'est un code à retenir. Alors ça s'allume en haut à gauche là pour ensuite les personnes dans les gradins, l'espèce de truc au milieu, ensuite les trois gros trucs en haut, après les. Pff, ouais, j'en sais rien. Ok. Alors est-ce que c'est comme dans Tunic quoi, avec une grosse énigme facultative? Je sais pas. En tout cas, c'est un endroit plus ou moins caché. Donc facultatif. Eh bien, let's go.
Téléporteur. Téléporteur, téléporteur. Quoi ces bruits là? Oh! Est-ce qu'on peut les renvoyer? Non. Il va me défoncer. Je suis chaud. C'est bien qu'on puisse rester chargé aussi longtemps qu'on veut. Comme ça, dès qu'il nous charge, bim. On peut le fumer. Je peux pas sauter. Là, ça. Ça va tourner encore. Ah, ici on peut monter. Il y avait quoi là? Oui. On peut monter à condition de savoir viser. Ouais, on va pouvoir moduler cette salle, je pense. Ouais. Cette structure plutôt que cette salle. D'accord, donc tout à l'heure c'était fermé en fait ça. Je pensais qu'on pouvait y aller mais non. Ça crée un raccourci. Et ça. Ça mène à quoi cette histoire? Ah ah! C'est ce qu'on a eu? Yes! Toujours pas fini. Non, bientôt. Et franchement, j'ai attendu. J'ai fait que de l'exploration. Je suis revenu dans la première zone là pour explorer un petit peu. Donc j'ai quasiment pas avancé depuis que t'es parti. Là, je viens seulement d'attaquer la deuxième zone du coup. Enfin, la zone qu'on avait débloquée tout à l'heure. Trop sympa, moi. Bravo. Non, c'était pas lui que je voulais taper, mais... Nice. Hop. Ah si, il y a un interrupteur là, j'ai pas vu. Allez. C'est même pas un interrupteur, c'est un levier. Sympa. Bah oui, mais je suis comme ça, moi. Ah, il est bien, le jeu. Il est bien. Ah. En plus, c'est chronométré. Rien à faire. J'aime bien, il te présente toujours des petits plans comme ça.
Oh, puis les niveaux évoluent tout le temps aussi, ça c'est cool. Hein. Voilà. On va baisser la structure. Ah lui il va me casser les couilles, bah oui. Ça sert à quoi ça? Oh, bah ça va, quel accueil, super, merci. Oh, mais putain, connard. Oh. D'accord, donc il va falloir faire pareil de l'autre côté. D'avoir fait ça. Ah. Attends, on a déjà fait ici. Oui. Ouf, faut taper ces merdes là. Ramener ça là-bas. Bravo. Un seul bras, gère. Une petite pomme. À gauche là, est-ce que je peux l'atteindre? Merde. Ah, allez, ça fait quoi ça? Ça me dit pas vraiment. Est-ce qu'on remet le truc au milieu? Faire beau. Ah, on peut appuyer maintenant au milieu. Ça va monter. Bouger. Trois heures douze de jeu. Je pense qu'on va encore faire une petite demi-heure et puis s'arrêter là.
Ah, est-ce que ça me dit pas ce qu'il faut trouver? Je pense que si. Ça me donne les bonus à trouver dans la zone. Wow. Ici, il y a 4 trucs à trouver. On peut aller là-dessus? Ah ouais. Oh, merci le rattrapage automatique. Ah ah. Oh merde, on voit pas. D'accord, je fais quoi? Attends, mais je peux remonter quand même? Ah, je peux aller à gauche! Peur quand même, un petit peu. Oh. J'ai eu quand même un petit peu peur. Donc ça veut dire... Je pense qu'il faut faire tourner le truc au milieu. Ça veut dire que... Je pense qu'il y a des séquences, si on les fait, après on peut plus revenir et on est baisé, je pense. Il doit y avoir un délire comme ça. Quand on déplace les éléments du décor là. Je sais même pas si je peux revenir à l'endroit où j'étais avant quand je suis rentré dans le tuyau. Parce qu'à gauche il y avait un truc. Alors est-ce que ça menait ici ou pas? Je sais pas. Je peux même pas le savoir en plus. Là je peux sauter ou pas? Ouais. Du coup. Alors on était venu ici. On pouvait sauter là. On est parti à droite, mais au final fallait aller ici. Ah! Ok, donc c'était ici le chemin optionnel. Ça, c'est toujours frustrant de pas savoir c'est quoi le chemin optionnel. Donc là, on voit qu'on a récupéré un des quatre objets. Il semblerait-il le premier en plus. Bravo. Oh là 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 là, ça manque un peu de précision tout ça, parfois. On recommence. Donc ici c'est bizarre quand même, ces trucs bleus là. J'ai bien envie de sauter là. Mais...
Je vais me faire baiser, on est d'accord. Mais ça montre un chemin, non? On dirait que ça montre un chemin, ces trucs bleus, là. Par contre, le checkpoint était un peu loin, là. Pas un peu loin, non. Ça... Trop habitué au luxe. Je suis quand même un peu loin. On dirait que si on monte sur une plateforme bleue, là, on peut aller quelque part, mais... Je sais pas, tant pis. Parce que surtout... Quand on est là, ça nous montre qu'il y en a une juste en dessous, là. Bon, bref, c'est pas grave. On va pas se focaliser là-dessus. C'est ça, maintenant on peut pousser ça là-dedans. Hop. Franchement. Swing. Ce que j'aime pas dans ces énigmes-là, c'est le fait de devoir tirer le levier au maximum. Devoir pousser le chariot au maximum. En fait, j'ai l'impression de... c'est pas du gameplay en fait. Moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on me dise rien en fait. Qu'il y ait un endroit où ça va passer en fait. Genre le levier en bas, bah... Tout à l'heure on a eu ça, hein. Tout à l'heure on a eu ça, donc je veux pas dire que tout le jeu est mauvais là-dessus. Mais que le jeu me laisse voir par moi-même à quel endroit ça va matcher en fait. En fait qu'on puisse faire le tour à 360 degrés et que c'est à nous d'arrêter pile au bon endroit pour que ce chariot-là rentre. Ce serait... Voilà, là, t'as l'impression d'avoir une interaction avec le jeu où c'est toi qui décides, en fait. Ça que j'aimerais bien. Là, on était allé, du coup. Il y a trop de fois où tu vois un interrupteur, t'appuies dessus juste par réflexe en fait, sans réfléchir. Tu vois un chariot, tu le pousses, tu vois un levier, tu le tires, enfin... Jamais tu te dis... Putain, je veux le tirer ou pas? Ça n'a rien changé. Aussi, ça n'a rien changé. On peut les taper, on est d'accord. Ça a changé ce tour-là. Bizarre. Je peux pas me jeter dans le vide parce que... voilà quoi. On va me dire que je meurs tout le temps. Il y a un checkpoint ici. Je peux descendre là. Oh. Oui, je peux descendre. Après ça veut dire que je vais pas mourir, mais je peux descendre. Je peux toujours faire des trucs. Thank you.
Ah mais c'est... On était tal... Sauf que ça, c'était pas activé. Commence à faire faim, là, hein. Les yeux de la même couleur que toutes ces lumières. Oh. La matière violette. Ah, ça s'arrête quand même. Checkpoint. Oula, ouais, j'allais dire, je suis un peu dans la merde là, je pense. Mais on peut pas sprinter, je crois. J'ai pas de sprint. Pas dû bouger en fait. Faut rester sur le bord. Alors attends. Est-ce qu'on va plus vite en faisant des roulades? Ah oui, largement, largement, pardon. Excusez-vous. On va largement plus vite en faisant des roulettes. La technique de pro, pas besoin de boucher. Allez! Ah! Là, y'a rien. Attends, je vais aller voir quand même au milieu. Ah, parce qu'il y a un truc là. Oh putain, le 3D, le 3D, le 3D, le 3D, la profondeur. Est-ce que ça mène à... Ça mène à rien. C'est pour ça. Vite! Yes. Merci. Sympa lui. Ça, ça compte. D'accord. Ça, c'est... Ça fait partie des trucs à voir. Des trucs à trouver. Point de vue.
Ah. C'est le même bouton pour taper avec l'épée que pour interagir avec les objets. Enfin, avec les interrupteurs et tout ça. Est-ce qu'il faut aller en face? Oui, bah oui. Évidemment qu'il fallait aller en face. Sinon, il n'y aurait pas eu de deuxième... Oh là là! Quel Billy Boys. Troisième essai. Allez, c'est parti. Yes. Oh, mignon ce petit endroit. Est-ce qu'on va y aller ou pas? On dirait, hein. Bien. Donc d'après ça, j'en ai peut-être loupé un. Généralement, c'est tac-tac, en haut à droite, enfin en haut à gauche, puis en haut à droite, puis en bas à gauche, puis en bas à droite. J'ai peut-être déjà raté un truc. Mais c'est pas grave. C'est pas le drame. Alors ça, je peux interagir bizarrement maintenant. Ah, je peux le prendre. D'accord, ça va me servir du coup dans le... dans la zone du début, je pense. Ah bah, comme par hasard. Ok. Ça, le jeu nous indique à peine qu'il faut partir là. À peine. Donc j'aurais pu chercher longtemps hein, pour ce truc là. Donc on va se laisser guider un peu par le jeu parce que j'ai l'impression qu'il faut pas trop... Faut essayer d'en faire au début. Alors qu'on n'a pas tout ce qu'il faut en fait. Ah bah c'est ce qu'on voyait. D'accord. Faites surgir la forêt des profondeurs du néant. Du coup, là, il y aura peut-être un truc à faire surgir aussi, hein, pour choper ça. C'est un copain, lui, ou c'est pas un copain? Non, je pense pas. Oui, bah oui. D'accord. Bien. Un truc là. Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi de monter là-dessus? Ah mais je suis déjà allé ça, j'ai déjà fait. Faut s'emmerder avec ça. Pourquoi il y a des petites clopiottes bleues là-bas? Ah, je peux pas y aller.
Bah ok. Ah, un bout d'épée là-haut. Aïe, j'ai oublié. Ah, ça explose. Mais rien à faire. Juste monter là-bas. Bravo! Je pense que je vais crever. C'est pas bien grave, il y a le téléport juste à côté. Il me taunt en plus. Salaud! C'est gratuit, mais voilà. Désolé. Deux barres qui semblaient gelées, je sais pas trop pourquoi. Oh, il y a un gros truc là-haut. Est-ce que ce serait pas enfin le premier boss? Est-ce qu'il faut tomber ou pas? Qu'est-ce que je dois faire moi? Ah, on peut descendre là. Oui. Normal qu'on peut descendre. Ah putain, j'avais pas vu. Sinon, je regarde en l'air, mais ça, j'avais pas vu. Ah ah. Les petites clopiottes. Elles sont là. Oh le bâtard! Ah ouais, comme ça, direct! Dis-moi qu'on spawn au téléport. Non, je l'ai pas activé, je crois. Oh. Ah, mais on peut passer à gauche maintenant, là. Bah oui. Trop gentil le jeu. Ulbox stable. Il est où le backstab? Hello Big Bois, moi Small Pity in the Cold Winter. Hello Big Boy. Big? What is Big Boy? Moi Small Pity in the Cold. Thank you, Ricky. Thank you, my friend. Hope you're doing good. Thank you for the resub 37, you are MVP. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là. I'm gonna stop here. 19h53, ça va être l'heure de manger. Il y en a un qui a envie de promener. Oh là là, oh là là, je prends des dégâts de quoi là? Toxique à mon avis. C'est le fait que resub. Though. It will stop in 3 days.
Then I can sub again. Okay, okay. No, it's the nice one. Prime is good. Don't do paid sub, please. Bon bah. Alors attends, est-ce qu'on n'a pas accès? C'est quoi ici? Ouah, ça va. Ça doit être dans le coin alors pour le. Pour le cœur, non? Il est mort lui? Ah ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est ce mystérieux endroit plein de mystère? Ah, je pense qu'il faut monter et péter le cocon. Merde. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ok. Very poor now, only Prime makes me feel rich. Did you see all the Nadeo fucked up yet again? Yet again? No, I didn't see. What did they do? C'est quoi ça? Ah, un TP, nice! Non, c'est un ascenseur! On est où là? Oh! What? On est où là? C'est quoi ça? Est-ce qu'ils peuvent se taper entre eux les gros là? Il y a des soins là. They updated the 2020 with new wood blocks. Then all existing maps got the same wood interaction. Like almost all trails. Can be finished. Can't be finished. Nice. Nadio. Typical. Ok, on est revenu là. Bon, on va stopper là. On va stopper là, on va garder la petite suite mystérieuse pour après. J'ai l'impression que c'est le même logo qu'ici. Ça, j'ai pas vu c'était quoi comme logo. On va stopper là. C'était bien cool, vraiment cool comme